Madame Gagnon-Labrie, s'il vous plaît. De Sherbrooke, je crois. Hein? D'Auville, plus précisément. D'Auville. Bonsoir. Ça me fait plaisir de voir qu'il y a autant de monde que ça qui veut prendre leur santé en main pour avoir une meilleure qualité de vie. Aussi, bien, je voulais vous parler un peu de mon cas à moi. J'ai eu un accident, j'ai eu un arbre sur le dos qui m'a cassé ma colonne vertébrale entre la cinquième et la sixième. Puis aussi, j'ai cassé mon tibia et mon péroné. J'ai eu le plâtre pendant 90 jours. Quand le docteur Brolet dit dans les cassettes, c'est si bon, ben, les gens nous demandent aussi si c'est si bon ça, pourquoi faire qu'on ne l'a pas dans tous les hôpitaux, ça sera en physiothérapie. Ben, moi, j'ai eu mon accident au mois de mai en 88, puis j'ai commencé à faire de la physiothérapie le 17 de juin 1989. S'il avait fallu que j'attende après eux autres, c'est pas comme ça que je me serais mis en forme sûrement. Mais en rendu au mois d'octobre, j'ai rencontré mon écobu qui m'a fait connaître l'appareil Remart. Et puis j'avais plus de tonus quand je m'assoyais. Tantôt, vous m'avez vu me supporter mon dos sans m'appuyer sur la chaise. Mais avant d'avoir mon appareil, je tombais. J'avais plus de tonus du tout, du tout. Ça me prenait un dossier pour supporter mon dos. Puis après seulement 4 fois que j'ai utilisé l'appareil, j'ai retrouvé mon tonus. À ce moment-là, j'ai été chercher acheter l'appareil tout de suite. Puis aussi, il y a une autre chose, je ne savais plus marcher. Avec mon plâtre, j'avais appris à marcher complètement différemment. En physiothérapie, ils avaient essayé, eux autres, de me le montrer, mais c'était mal écrit. Pendant combien de temps vous avez fait la physiothérapie? La physiothérapie, j'en ai fait à peu près un mois et demi, mais encore là, c'était juste pour ma jambe. Pour mon dos, ils m'ont absolument rien fait faire. Parce que moi, je disais, bien, mon dos, lui, bien, il disait, c'est vous, madame. Mais je dis, comment ça, vous ne me donnez pas d'exercice pour mon dos? Ma jambe, il me l'avait renforcé, mais mon dos, il n'y avait aucun exercice qu'il me donnait à faire pour mon dos. Fait que, pour m'apprendre à marcher, ils ont mis des 10, ils ont mis des métronomes, ils ont tout fait, ils ont dit, ça ne sert à rien. Il y a tout le monde qui attend après la place, madame. Vous allez être obligé d'essayer vous-même de vous conditionner. Mais l'appareil, après 12 fois que je m'en suis servi, je me suis mis à marcher complètement normalement, pareil comme avant. Elle me l'a écrit comme faut, elle, l'appareil. Et puis aussi, ben, je voulais vous citer, j'ai un cas de leucémie, un monsieur qui faisait de la leucémie. Et puis après 4 fois qu'il est venu essayer l'appareil chez moi, il a doublé ses globules rouges. 2 semaines après, il est retourné voir son médecin, puis son médecin a coupé ses médicaments de moitié. Parce que là, il était trop enflé. Le monsieur le voyait, il dit, quand j'enfle comme ça, c'est parce que mes médicaments sont trop forts. Fait que le monsieur, en tout cas, il continue à se traiter actuellement, mais il a des très bons résultats avec la rhumarde pour la leucémie. Il l'a acheté lui aussi, ça n'a pas pris 10 fois, c'est qu'il a été convaincu son affaire aussi. Puis j'encourage aussi les gens à ne pas lâcher parce que je dis, comme M. Doran disait tantôt, c'est sûr que des fois, vous avez une petite douleur, mais c'est parce que la pilule, elle l'endort, puis elle la brille. Mais tandis que la rhumarde, elle vous fait peut-être sortir des malaises que vous avez eus des fois 3 ans avant ou 4 ans avant, mais ça ne durera pas longtemps. Mais quand il va être sorti, par exemple, il va rester sorti et vous ne ferez pas juste la briller à ce moment-là. Fait que je vous remercie beaucoup et puis je remercie aussi le docteur Drolet pour son invention.